parfaite au Florian, il me semble. Ah, il fait ni trop chaud ni trop froid, c'est les conditions idéales pour jouer au rugby à 13. Voilà, première percée. Brennan n'est pas très très dangereux, donc ouais, ils jouent surtout sur le bloc milieu, donc ils ont fait une sortie de camp. Avec un Mendy toujours au fourré moulin, comme à son habitude. Ah. Ouais, une première fois. Pour le SOA Avignon. Ah, et oui. Voilà. Premier essai encaissé par le SOA donc Avignon. Donc c'est toujours difficile de défendre. C'est clair. Nouvelle phase de jeu. Là, ils sont pris à mal. C'est Thomas Soler, un jeune joueur. Ça va être encore une épreuve voilà, de défendre devant sa ligue. Petit coup de pied, oula, ouais, effectivement. Est-ce qu'il a vraiment aplati? Et oui, je pense. Cardas, en l'occurrence, qui inscrit le troisième essai de Lézignan. Ce qui est intéressant du côté de l'Union, c'est qu'ils voilà, vont poser une véritable question de l'organisation. Et... avec Coronogas, effectivement. Vous avez bien vu Florian, bravo. Joli coup d'œil. Et voilà, je pense que. Fabien Julien qui a fait sa rentrée. Je pense que c'est une direction que vont essayer de prendre, c'est d'exploiter un peu les côtés fermés. Rémi Andreu, il est en train de rattraper sa bévue de l'initiale et essaie de Rémi Andreu. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'on disait? On disait que Rémi Andreu avait des capacités. Ses débuts, donc c'est pas idéal. Une faute sur Fabien Julien. Fabien Julien. Oh là, une action illicite au possible. Lui a changé de camp là. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'était un temps fort de Lézignan. Lolo, ah ouais, c'est qu'on sent toute la puissance de Wesley Lolo. Ouais. Ah, ça pardonne pas. Là où ils ont fait une erreur, Avignon, c'est qu'ils ont laissé Fabien Julien faire un contre un. Et Cardas qui envoie l'essai. L'essai de gérer judicieuse. Ça, c'est le travail de Renaud Guigues. Ouais, alors c'est aussi imposé par des choix économiques, hein, oui. Il ne faut pas se cacher. Justement, c'est la fin de première période. Alors on va voir le choix de Renaud, est-ce qu'il va tenter les deux points ou est-ce qu'il ligne des joueurs? On voit qu'Olivier demande peut-être plus les deux points. Et carton jaune. Et carton jaune, donc Renaud a fait le choix de jouer bien sûr. Et ça peut être payant, et effectivement c'est payant, avec Sofiane Ganem qui inscrit le nouvel essai de Avignon. Je pense qu'on aurait dit ça à Renaud au bout de 20 minutes, il aurait signé de suite. Ça démontre les qualités morales de cette équipe avionneuse, qui aurait pu sombrer en l'occurrence. Hein. Ouais, exactement, ils attaquent toujours un peu mal les matchs, mais là en l'occurrence, voilà, ils ont su relever là. Donc Lézignan vont recevoir le ballon dans son camp, donc ils vont voilà, construire leur chaîne de sortie de camp pour essayer de préparer déjà son jeu. Avec Lolo à nouveau, essaie de perforer l'animation. Avignonnaise est allé jusqu'au milieu du terrain, donc c'est assez moyen. Et sur une sortie de camp, et du coup, Avignon, ils ont le potentiel de jouer dans le cas adverse. Avec Jacques Payne à l'instant. C'est là où ça peut être intéressant parce que ils sont. Dès qu'ils sentent une faille voilà, dans la défense, dès que la défense est un peu organisée, ben là, ils sont capables de jouer à plusieurs. Un petit coup de pied de Joris Bissière pour Coron. Non. Sur Martial Romano, il a choisi l'option la plus courte. Avec Joris Bissière. Ah. Et il y a un nouvel essai de Rémi Andreu qui donne l'avantage au SO Avignon. Ok Rémi. Ah. Là deux équipes c'est vrai qu'on coup pour coup. On assiste à quelque chose d'un peu plus classique, un bras de fer c'est où vrai. Les équipes ne marquent pas de suite. Voilà, il y a plusieurs parties en tournée là pour des raisons professionnelles, mais c'est un joueur qui marque souvent, un finisseur hors pair très très rapide. Et c'est vrai. De plus belle en défense. Avec le jeune François Dorséans en l'occurrence. François est sorti très très vite, mais ça a perturbé l'attaquant. Donc là, les autres avaient suivi aussi, donc ça n'a pas posé de soucis. Ah. Petite marginé, tentative de marginé. Et ça, c'est un Salotti Mendy. Et c'est de Lézignan. Et ouais, donc un petit jeu au pied. Voilà, ce qui vient. Donc là, encore une fois. On voit l'action. Alors, soit il siffle le plaquage à vide. Soit il siffle le plaquage illicite. Mais je ne pense pas parce qu'il n'a pas sifflé. Là, il siffle. Je crois que c'est ça. Donc le silence est garanti. C'est ça. Il ne se trompe pas. Il est même pas en forme, il est en super condition. Aïe. Il y en a un autre qui est en super condition. C'est le petit Ferré. Le petit Ferré. Qui marque un nouvel essai.
remercier, on peut pouvoir remercier complètement cette rencontre hein, en sa faveur. Oui. Ah, là, il y a une bonne. Ouais. Et Olivier Arnaud, il est revenu. Il est passé à l'arrière. Ouais. Donc, tout va bien pour Olivier Arnaud, c'est une bonne nouvelle déjà pour du côté des Bisons. Les joueurs l'ont et les matchs le diront. Vous évoquiez Toulouse, c'est le prochain adversaire de, justement, de Lézignan le week-end prochain. Toulouse qui se rendra donc à Lézignan. De son côté, le SO Avignon recevra à nouveau, en l'occurrence Limoux. Ouais, ils vont avoir des matchs un peu difficiles à venir à Avignon, donc il va falloir bien qu'ils négocient. Donc le premier a été un peu difficile, c'était le rattrapage de la première journée. Et Avignon s'est imposé ensuite à Albi. Avignon qui... Oui, je pense que ça va être important, hein, ces points du bonus défensif pour Avignon dans la course à la qualif. Je pense que Lézignan a assumé son rôle un peu de leader.